Et salut à tous, ravi de vous retrouver donc ici à Barcelone, cinquième manche de notre championnat, donc en compagnie de Sébastien Vettel bien sûr. Et cette fois-ci c'est le deuxième GP commenté de la saison à Barcelone. Alors vous l'aurez compris, hein, ces GP commentés seront bien entendu des GP pour le moins mythiques, voire européens, hein, puisque je ne toucherai pas aux GP commentés dans des nouveaux pays où sont des circuits qui n'ont absolument aucun intérêt. Donc GP commenté à Barcelone ici parce que c'est un Grand Prix qui existe depuis 91, que c'est le retour en Europe qu'on attend tous à chaque fois après la première étape asiatique et d'Océanie, et que à chaque fois, eh bien, il y a des nouveaux packs aéros qui arrivent, et c'est un circuit très connu pour les pilotes puisque c'est souvent les essais se déroulent dessus. Donc un circuit donc très technique avec deux grandes lignes droites et deux zones de DRS, donc avec la plus longue ligne droite des stands du championnat du monde qui fait 1,1 km, elle est très très longue. Seul Shanghai est la ligne droite la plus longue. On va suivre ce tour avec Vettel qui a réalisé la pole position, donc avec une grande zone de DRS et une ligne droite qui n'en finit plus et qui finit en descente avant d'arriver et de freiner au panneau des 100 mètres et s'engager dans le virage Elf à gauche suivi du virage 2 et de s'engager dans le virage Renault, donc qui est un grand virage en 3e, 4e, 5e avant de déboucher sur cette toute petite ligne droite et de piler avant d'enchaîner sur ce grand droit. On va passer ici en 4e, on réaccélère progressivement en sortie et on revient piquer en 3e dans un gauche très serré avant d'attaquer la partie un peu sinueuse du tracé, notamment avec ce virage 7 et 8 où on vient chercher le vibreur à la sortie très large pour le virage 9, un virage assez technique aussi puisqu'il permet de s'élancer au mieux dans la deuxième zone de DRS où il y aura certainement des dépassements ici. Panneau des 100 mètres également et le virage le plus serré qu'on va passer ici en seconde avant de finir avec ce tracé de Montmeló dans une dernière partie, donc vous l'aurez compris, qui a été modifiée avec le temps. On a passé le banc de Sabadell et on arrive à Europe Car, donc qui a été complètement modifié. À l'époque, on passait bien entendu pas dans cette chicane, hein, puisqu'elle a été modifiée pour permettre les dépassements, mais ça n'a rien empêché. Il n'y a toujours pas de dépassement à Montmeló. Et on va boucler ce tour donc qui sera dans les 1,23 et quelques. Montmeló qui est un circuit bien entendu qui a le plus piètre record du seul dépassement en 99. Un dépassement pendant la course, donc c'est pour vous dire qu'ici ça dépasse pas des masses. Et même avec la modification en 2007 de cette nouvelle chicane, c'est toujours pas ça, hein. Il n'y a pas beaucoup de dépassements malgré les deux zones de DRS et la grande ligne droite. C'est un circuit où il y a très peu. On voit ici donc les gommes du week-end, sachant que la course est sous la pluie. On peut voir si en fin de course il y a une éclaircie, mais sinon ça sera les hard ou les médiums sur le sec. Et ce sera bien entendu les intermédiaires ou les pluies, sachant que la pluie est faible depuis le début du week-end, avec des passages nuageux à pluie faible, notamment pendant les essais et la qualification qui a été très piégeuse. Vous l'avez vu, Rosberg s'est fait piéger et c'est ce qui a permis à des pilotes comme Pastor Maldonado, qui s'était imposé ici en 2012 aussi, de partir de la 4e place sur la grille. On va suivre Sébastien Vettel, les feux sont au rouge, ils s'éteignent. Très bon départ du pilote allemand, même s'il y a eu un tout petit peu de patinage. Et c'est ses deux adversaires du jour qui ont pris un meilleur départ que lui, notamment Raikkonen et Hamilton qui a pris un départ absolument parfait. Vettel qui se fait un peu tasser par Maldonado, c'est un peu chaud en rentrant dans Elf. Et Vettel qui prend quand même le meilleur sur son coéquipier Raikkonen qui est ici dans la mauvaise trajectoire. Il a très bien décroisé le pilote allemand et il a réussi à récupérer une deuxième place, hein, une place de perdu grâce à un mauvais envol. Hein. Pourtant on aurait dit en caméra embarquée que tout était très bon, que l'impulsion était bonne, mais pas du tout. Hamilton a pris un départ absolument canon, Raikkonen aussi, et il a même failli se faire dépasser par Pastor Maldonado, qui est déjà un peu à l'agonie et qui crée un peu déjà le bouchon. Et clairement, les trois pilotes de tête qui commencent à se détacher maintenant, et Vettel, qui est à l'affût de la Mercedes de Lewis Hamilton. Va-t-il tenir le pilote anglais? On sait que Mercedes et Toto Wolff notamment ce week-end espérait beaucoup de ce Grand Prix de Montmeló, et les Mercedes qui n'ont pas été très à la fête, hein, on l'a vu pendant les essais et pendant la qualif. Hamilton qui a réussi à décrocher un deuxième temps, mais très loin de Sébastien Vettel et des performances de Ferrari. On a longtemps cru, même encore une fois, que ça allait être Raikkonen qui a décroché la pole,
Et puis une fois de plus, dégradation des pneus et puis une Q3 et une Q2 assez piégeuses. Et c'est finalement Vettel qui s'est emparé de la pole. Mais vraiment un week-end très compliqué absolument pour tout le monde, sauf pour Ferrari, qui a réussi encore une fois de plus à tirer son épingle du jeu. Alors on espérait énormément de ce retour en Europe pour retrouver un peu de compétitivité du côté de Mercedes et même du côté de Williams. Il n'en est absolument rien. Et on voit ici les temps, Vettel à 0,7 derrière Hamilton, c'est très chaud. Et on voit déjà que Maldonado marque le pas, suivi de Rosberg qui est 10e. Donc Button qui fait une belle opération à la 8e place. La Lotus de Grosjean 12e, Kiat 15e. Bottas 16e, Nasser les deux Sauber, suivi des deux Manor. Voilà pour ce premier intervalle. Et là, Vettel qui attaque de suite Hamilton. Ouh, c'était chaud, ça a failli être accroché entre les deux pilotes. Il me semble qu'il y a eu un petit contact avec les... entre le pneu de la Ferrari et de la Mercedes. Tout va pour le mieux, pas d'accrochage. Vettel qui emploie vraiment une conduite très musclée en ce début de saison, avec beaucoup d'accrochage. Notamment, on l'a vu encore en Chine avec Nico Rosberg. Et puis la dernière fois avec Perez à Bahreïn. Une petite manœuvre délicate qui lui a coûté vraiment la victoire. Et le pilote allemand qui arrive rapidement à se démarquer sur Hamilton. Vettel qui a eu un peu de mal à s'élancer dans les premières séances d'essai libre. Il a eu beaucoup de mal à trouver le rythme ici à Montmélo. Et puis, comme d'habitude, après une qualification absolument parfaite de sa part, où il a très bien géré les gommes, eh bien le voilà maintenant en pole et il retrouve la tête de ce Grand Prix de Catalogne. Alors qu'Hamilton ne baisse pas les bras. Derrière, il y a Raikkonen. Vettel qui prend très large à la sortie du dernier virage. Et Raikkonen qui est à l'affût, alors qu'on va revoir ce qui s'est passé au départ. Et en effet, très bon départ de Lewis Hamilton, qui donne la très très bonne impulsion et qui s'envole royalement avec un moteur Mercedes, il faut le dire, très puissant. On sait qu'il a eu quelques soucis de démarrage, de départ, Lewis Hamilton, mais a priori ça va mieux. De la caméra embarquée de Raikkonen qui a pris un excellent départ, lui aussi il a été à l'affût sur Hamilton. Et je ne comprends pas pourquoi... Oui, Hamilton qui lui ferme la porte, mais Raikkonen aurait pu plonger à l'intérieur au lieu de ça, en se remettant à l'extérieur, il perd sa position sur Sébastien Vettel. C'est assez regrettable et on voit ce que Vettel a fait. Et oui, très bon départ, mine de rien de Vettel, mais ses adversaires du jour ont été tout simplement meilleurs. Et le pilote allemand qui s'est à nouveau plaint de sa direction en ligne droite, c'est un problème récurrent donc. Et on le voit ici à l'intérieur. Et il a réussi. On va revoir ce qui s'est passé chez Nico Rosberg, qui finalement n'aura pas gagné énormément de place dans ce départ. Et lui aussi a pris un départ pas si bon que ça finalement, pas trop de patinage au départ, mais après ça s'est un peu plus compliqué et il s'est retrouvé complètement coincé. Ouais, là en effet il n'y avait pas de place pour passer. On a eu les deux Force India qui ont coincé Jenson Button au milieu et vraiment là il y avait toute la largeur de la piste. Nico Rosberg n'a absolument rien pu faire. Et on voit ce qui s'est passé. Ils sont sortis très large avec Sergio Perez. C'était chaud entre la Mercedes et la Force India. Et finalement, Nico Rosberg, voilà comment il a récupéré la 10e place. Grâce à une petite erreur, oui, Perez qui a failli sortir. Et entre Hamilton et Raikkonen, 1,4 seconde, il est hors de la zone de DRS. Lewis Hamilton a fait le travail pour sortir Kimi Raikkonen alors qu'il était vraiment dans ses échappements. Et Lewis Hamilton qui semble avoir retrouvé un peu de performance. Sébastien Vettel qui a l'air de s'envoler. On le sait, le pilote allemand qui est très bon gestionnaire de course quand il est vraiment en tête et qui a un peu plus de mal, les statistiques parlent d'elles-mêmes, quand il est dans le peloton, c'est pas un pilote comme Kimi Raikkonen qui peut remonter dans le classement, clairement. Schumacher aussi avait cette faculté de remonter dans le classement, Fernando Alonso aussi. Mais il est vrai que Hamilton aussi, ça a l'air, c'est pas sa grande qualité, on l'a vu encore on dit, là, en Hongrie, il a tendance à vraiment perdre ses nerfs quand il est au milieu du peloton et en plus qu'il sait qu'il a la voiture qui va bien et puis qu'il est coincé. On est dans l'aileron de Kimi Raikkonen. Alors que derrière c'est Pastor Maldonado qui est totalement à l'agonie, la Lotus qui est vraiment sous la pluie, qui n'arrive pas à fonctionner clairement, on l'a vu. Il a réussi à passer en Q3, mais ça a été un miracle parce qu'ils sont sortis vraiment dans les derniers moments. Ça a été une Q2 absolument formidable, où on a eu de la pluie jusque dans les derniers instants. Les leaders, notamment Raikkonen, qui avait la première place de cette Q2, suivi d'Hamilton, suivi de Vettel.
ont cru tenir cette Q3 et puis juste à la fin tout s'est effondré. C'est pour ça que Rosberg s'est fait sortir, alors qu'ici Alonso, avec le piètre moteur Honda, arrive à se débarrasser de Maldonado et son gros moteur Mercedes grâce au DRS. Et il a réussi à faire sauter le bouchon Maldonado qui vraiment est en train de retarder tout le monde ici. Et du coup, c'est les leaders, hein, les trois premiers donc, qui s'envolent, hein, en l'occurrence avec Vettel, Hamilton et Raikkonen. Vraiment la Lotus hein, qui a réussi à passer en Q3 grâce à un super temps chrono avec les pneus médium. Donc après, bien entendu, il y a eu des pilotes qui se sont totalement loupés et qui n'ont pas pu accéder à Q3. Et Maldonado qui, mine de rien, s'est retrouvé en quatrième position sur la grille. Alors que tout le long du week-end, hein, il y a eu de la pluie aux essais, il y a eu de la pluie en Q1, ils ont eu beaucoup de mal. Et on le voit, hein, Maldonado et Grosjean qui sont aux abonnés absents pendant cette course. Alors qu'on voit la bataille pour la cinquième place avec Maldonado et les deux Toro Rosso derrière. Les deux Toro Rosso à signaler qui sont devant les deux Red Bull. Ça va encore plaire à monsieur Dietrich Mateschitz, assez compliqué comme nom. C'est vrai que cette année, le grand patron de chez Red Bull a été plus en vue que les années précédentes, notamment à cause de Renault, entre autres. Hein. C'est vrai que les années précédentes, on avait plus tendance à avoir le directeur technique, hein, le docteur Helmut Marko. C'est vrai que cette année, c'est le grand patron qui est un peu monté au créneau pour défendre son écurie face à Renault. Et c'est vrai que ça doit être très décevant quand on est une écurie de pointe et qu'on n'arrive plus à gagner. Alors que là, Rosberg arrive à se défaire facilement de Jenson Button. Et le classement qui a guère évolué. Daniel Kvyat toujours 17e avec la Red Bull. Hein. Le pilote Red Bull, on disait qu'il est en grande difficulté en ce début de saison. Et qui a beaucoup de mal. C'est vraiment Daniel Ricciardo qui arrive vraiment à sauver les meubles chez Red Bull. Mais c'est vraiment une saison très compliquée hein, pour la firme autrichienne. La petite Toro Rosso marche bien mieux. Elle fonctionne mieux en tout cas en ce début de saison. Même si on a vu qu'à Bahreïn, les deux voitures étaient dans le top 10. Mais ça reste relativement compliqué. Ils sont largement au-delà du top 10. Pour une écurie vraiment de pointe, c'est très compliqué. Pourtant, on a l'impression que le châssis de la Red Bull est vraiment très bon. Mais c'est vraiment le moteur Renault qui pêche en puissance. Avec une voiture, vu les moyens de la firme autrichienne qui évoluera sûrement pendant la saison. On a entendu son patron dire que Red Bull quitterait la F1 s'il n'avait pas un motoriste. Eh bien, ça semble compliqué parce que Mercedes n'a pas envie d'avoir Red Bull comme loueur de son moteur. Ferrari n'a pas trop l'intention aussi parce qu'on sait que Red Bull est une écurie. On a vu ce qu'ils ont fait pendant 4 ans, ils ont beaucoup de moyens. C'est une écurie de pointe en F1 maintenant. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de se faire shipper une place de champion du monde. Il faut comprendre aussi Ferrari et Mercedes. Donc ils sont en stand-by avec Ferrari d'ailleurs, vu qu'ils ont quitté Renault et que eh bien, ça semble sur la mauvaise voie. Nul doute qu'ils auront un moteur pour l'an prochain. On sait qu'ils aimeraient bien développer leur propre moteur, notamment avec peut-être Volkswagen. Alors qu'on voit ici encore Nico Rosberg qui est l'attaquant de ce début de course. Son super dépassement sur Carlos Sainz Jr. Et c'est vrai qu'on aurait dit que c'était Carlos Sainz qui allait se faire Pastor Maldonado. Et on a vu le moteur Renault énormément pêcher en vitesse de pointe. Et c'est vrai que même le moteur Honda d'Alonso a mieux fonctionné. Alors qu'ici, Nico Rosberg n'a aucun mal de se débarrasser de Pastor Maldonado. Et le pilote vénézuélien qui insiste quand même ici. C'est Nico Rosberg avec une meilleure motricité, une meilleure voiture. Aucun souci là-dessus. Nico Rosberg reprend le meilleur sur Pastor Maldonado. Et par la même occasion, la sixième place. Il remonte le pilote allemand. Il a aussi la voiture qui va bien. Et il reste devant lui que Max Verstappen qui est rentré au stand. Étrangement, ça y est. La fenêtre donc qui s'ouvre. Elle sera très large, hein, on le sait, parce que là, les pneus pluie ont une façon de fonctionner différente sur les véhicules. Donc la fenêtre d'arrêt au stand sera très longue. Et on va un peu s'observer, savoir si un peu le temps va peut-être s'éclaircir pourquoi pas chausser les pneus médium, voire les pneus hard, qui sont les deux pneus les plus durs. Hein. Ici, à Montmélo, on sait qu'il y a une piste qui agresse énormément la gomme. Alors que nous sommes avec Kimi Raikkonen qui perd du terrain sur Lewis Hamilton.
Et vraiment, les trois hommes de tête, ça y est, hein, les chronos commencent à stagner. Vettel qui est en train de gérer. Et Hamilton qui a retrouvé un tout petit peu plus de performance, notamment par rapport à Kimi Raikkonen. Et l'écart qui a augmenté, qui a doublé même en 4 tours. Vettel peut clairement gérer la course maintenant. Et c'est lui qui va donner le tempo à ses deux adversaires du jour. Hein. Bon, ben, on le sait, hein, 3 secondes 8, c'est pas grand chose en F1. Ça peut basculer très vite. Mais là, on attend en fait clairement une éclaircie. Car il pleut de moins en moins sur la piste. On voit les dégagements d'eau qui sont des moindres. Et est-ce qu'on va chausser donc une nouvelle paire d'intermédiaires ou est-ce qu'on va continuer avec des pneus pour le sec? La réponse sûrement dans quelques tours. Et c'est Ferrari qui va vraiment donner le tempo aux autres écuries. Une Ferrari est particulièrement bien née donc hein, cette année. Je pense que les dirigeants ne s'étaient pas fait à l'idée de gagner 5 courses. 4 courses. Pour les 4 premières saisons, pour les 4 premières meetings de la saison, avec Vettel et Raikkonen notamment. On a tout changé chez Ferrari cette année, et c'est pas plus mal, je le disais la dernière fois dans la vidéo, il y a eu du ménage de fait, hein. c'est un peu ce qui s'est passé à l'image de Schumacher et de son arrivée. Il y a Montezemolo qui est arrivé, Jean Todt aussi, et Schumacher, on a vraiment mis un coup de balai et on a recommencé tout à zéro, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. C'était une écurie qui semblait ne plus avancer, avec un peu des petits conflits en interne. Et malgré un président très charismatique, hein, ça ne faisait plus du tout l'affaire. Alors que là, Nico Rosberg qui s'est débarrassé de Fernando Alonso, regardez un peu la différence de puissance du moteur, DRS ouvert en plus, et Nico Rosberg eh bien, qui récupère la 4e place. Il revient encore de loin, le pilote allemand, hein, comme la dernière fois. Et comme en Chine aussi, il n'a pas démérité avant de s'effondrer dans les derniers tours. Il méritait clairement la victoire. Ils y ont cru jusqu'au bout. Et puis c'est Ferrari qui l'a subtilisé sur la fin. Hamilton a réussi à sauver les meubles à la 2e place. Mais c'est vrai qu'en Chine, Mercedes avait fait une première partie absolument époustouflante en signant vraiment les 2 premières places pendant les 10 premiers tours. Et petit à petit, c'est vrai qu'ils ont manqué de performance. Alors ici, Jenson Button essaye d'attaquer Carlos Sainz. Et ça passe pas. Le moteur Renault quand même un peu plus véloce que le moteur Honda. Montmelo qui est en plus de ça un circuit hein, où il y a énormément de difficultés à dépasser. Et quand vous avez un moteur un peu plus gros devant vous, on l'a vu avec Pastor Maldonado hein, qui a clairement fait le bouchon pendant quelques tours. Eh bien, du moment que vous avez un gros moteur dans cette ligne droite, même les autres avec DRS ouvert, en plus avec ces moteurs turbo, il y a énormément de différences. Eh bien, c'est très compliqué à doubler et vous vous retrouvez à faire le petit train pendant de nombreux tours, sachant que ces voitures ont de plus en plus d'appui et les gommes s'usent de plus en plus vite quand vous suivez une autre voiture. Eh bien, vous avez vraiment une fenêtre de dépassement qui est vraiment très limitée. Des fois, on donne même 2 tours, hein. C'est assez hallucinant, mais c'est comme ça. Les pneus Pirelli qui derrière une autre voiture se dégradent énormément. Et on sait que l'intermédiaire et le full weight se dégradent très vite, notamment le full weight aussi qui a vraiment une durée de vie vraiment très courte, qui est à la limite à se demander si l'intermédiaire ne fait pas mieux des fois. C'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup utiliser ce pneu, mais il se dégrade très vite. Et donc là, c'est Carlos Sainz qui rentre et qui laisse le champ libre à Jenson Button. McLaren aussi, hein, qui a été absolument parfait à Bahreïn, qui était un circuit moteur, et pourtant le petit moteur Honda eh bien, a réussi à placer 2 voitures dans le top 10. Assez phénoménal, alors que l'entrée au stand du leader, Sébastien Vettel, il est le premier, hein, c'est ce qu'on allait dire, à donner donc le tempo. Et les 3 autres, donc Lewis Hamilton, et les 2 autres, Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen, donc, qui sont passés, et qui vont suivre le rythme, donc on chausse des intermédiaires sur la voiture à Sébastien Vettel, ce qui veut dire tout simplement que, eh bien, a priori, pas de piste sèche avant la fin du Grand Prix, alors que c'est Nico Rosberg qui arrive dans la ligne droite, et Vettel, le temps que les gommes intermédiaires se mettent en température, on sait que ça va être un peu plus long, avec un tarmac qui est redescendu à 22 degrés, avec la pluie, donc une piste relativement fraîche, les gommes intermédiaires vont mettre un peu de temps à monter en température,
Et c'est Rosberg hein, qui a encore retardé son arrêt. Et sachant que c'est Lewis Hamilton qui s'arrêtera au tour prochain, eh bien Nico Rosberg s'arrêtera encore au tour d'après. Absolument phénoménal ce qu'arrive à faire Nico Rosberg avec ses gommes intermédiaires ici, sachant qu'il fait qu'attaquer depuis le début du Grand Prix. Et là, il est clairement à l'aspiration derrière Sébastien Vettel. Alors ça va être intéressant à voir. On sait que Vettel n'a pas trop envie de perdre de temps derrière Rosberg, mais c'est Rosberg qui en perd derrière Vettel. Et c'est Vettel qui se loupe ici. Exactement ce qu'on pensait, avec des pneus un peu frais. Et Rosberg qui prend le meilleur sur le pilote allemand. Assez incroyable hein, quand même hein, que Rosberg garde toute cette performance. On se demande justement où il aurait été, hein, le pilote allemand, s'il était parti des premières places et si Mercedes n'avait pas piégé dans les stands trop tard lors de cette Q2. Il serait clairement devant son coéquipier même peut-être, car c'est lui qui a le meilleur rythme de course actuellement. Et Vettel ici... Oh, la petite touchette! C'est encore touché! Incroyable! Qu'est-ce qui s'est passé? Vettel qui allait au contact avec Nico Rosberg. Ça, c'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Comme Lewis Hamilton, il semble qu'il y ait eu un contact de roue parce que l'aileron n'a pas bougé. Et Rosberg est allé se déposer dans le bac à gravier. Alors que Vettel et Hamilton vont sortir au coude à coude. Ah, ça va être chaud à la sortie ici dans Elf. Et Vettel qui prend le meilleur, et évidemment avec les gommes qui ont autour et qui sont maintenant en température. La voiture qui va bien mieux, et c'est bien entendu Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen qui vont avoir du mal à défendre sur Nico Rosberg. Mais il va devoir s'arrêter le pilote allemand, bien entendu. Et il a pris le meilleur, notamment sur Kimi Räikkönen aussi, alors qu'on va voir ce qui s'est passé entre Vettel et Rosberg. Et oui, exactement, petit contact léger. Et il a eu la chance de ne pas crever le pneu arrière à Nico Rosberg. Vettel, aucun avertissement. L'arrêt de Lewis Hamilton qui a rechaussé une paire d'intermédiaires aussi. Et Räikkönen, on a suivi le pas. Deux très bons arrêts vraiment pour rester dans la course. Alors qu'ici, Hamilton défend sur Rosberg. C'est chaud entre les deux pilotes Mercedes. Et l'arrêt, il a du mal aussi, Lewis Hamilton, à monter les gommes en température. Et c'est Rosberg. Que va faire Rosberg d'ailleurs? Ça va être intéressant. Est-ce qu'il va maintenir encore ce rythme de course pendant quelques tours? Il est clairement à l'aspiration derrière Lewis Hamilton. Nico Rosberg, assez impressionnant quand même hein, pendant cette course. Le pilote allemand, il est vraiment sous la pluie, très à l'aise. Il a la voiture qui va bien aussi. Et Lewis Hamilton qui ouais, on le sent, hein, qui a beaucoup de mal. Hein. Et c'est Nico Rosberg du coup qui va s'arrêter. Il le sait, hein, il ne fait clairement pas la course non plus avec Hamilton. Ils sont très loin l'un de l'autre, hein, les coéquipiers. Et on va voir où est-ce que Rosberg va sortir tout simplement. Il fait un peu la course maintenant. Alors, il va faire la seconde partie de course avec lui-même, hein, Nico Rosberg. Il n'aura plus aucun adversaire. Car derrière lui, c'est Fernando Alonso. Et il est très très loin, le pilote espagnol. Il n'y a pas photo. Et Nico Rosberg, en effet, qui ressort vraiment avec piste libre. Et pour le début de ce 13e tour, ça semble être une fin de course assez pépère pour Nico Rosberg, hein, car il va rester vraiment tout seul, et on le voit. Hein. Ici, encore une fois, même Nico Rosberg a du mal à mettre les gommes en température. C'est très hésitant, on sent la voiture un peu sur des œufs. Alors qu'on voit le dernier classement Hamilton qui a reculé sur Vettel, Räikkönen aussi, et vous voyez Rosberg, Alonso qui est 6e, Sainz 7e, Hülkenberg 8e, Ricciardo 9e. Massa 11e, Nasser 12e, Kia 13e, Ericsson Verstappen qui est 15e. Il a énormément perdu le pilote néerlandais. Et vous le voyez, les deux Lotus hein, en fond de classement. Et l'arrêt aura été terrible à Maldonado et à Grosjean. Énorme contre-performance ici à Montmelo, qui est un circuit très exigeant, hein, bien entendu. Et c'est vrai que là, allez, on va sentir vraiment le retour en Europe avec Montmelo. Suivi de Monaco et vraiment enchaîné avec un Grand Prix du Canada aussi très difficile avant de retourner à Silverstone qui est vraiment le temple de la vitesse numéro 2 après Bahreïn. C'est pour ça qu'on aime les circuits européens. Alors que Jenson Button a réussi à faire l'undercut sur son coéquipier qui était devant lui pourtant. Et qui a attendu vraiment le dernier moment, c'était vraiment la limite de la fenêtre hein, avec Button et Rosberg. Et c'est Verstappen qui s'arrêtait une deuxième fois aussi. Alors qu'ici Alonso est à l'aspiration sur Jenson Button. Les deux McLaren quand même, 5e et 6e, c'est assez incroyable. Et là Alonso qui n'aura aucun souci à se défaire de son compatriote britannique.
Et derrière, c'est Sainz qui arrive aussi. Il n'y aura pas de place. Hein. Alors que là, Jenson Button, non, il va lui laisser la porte ouverte. Mais attention à Jenson Button, car il a des gommes qui auront deux tours de moins que les autres. Donc ça va être clairement lui qui a les cartes en main, même s'il se fait dépasser ici. Même si on sait qu'à Montmelo, il est très compliqué de doubler. Ça sera lui qui a les cartes en main, s'il ne perd pas énormément de place, bien entendu. Car derrière, eh bien, il y a Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo. Bataille pour la quatrième place, c'est très serré entre donc Button et Sainz. Car on vient de l'apprendre, Nico Rosberg a abandonné donc sur un problème tout simplement de MGUK. Donc le problème qu'on disait récurrent la dernière fois à Bahreïn, hein, qui est un énorme problème sur ces voitures, qui redistribue vraiment l'électronique un peu de partout, eh bien a lâché sur la voiture de Nico Rosberg, et c'est donc Fernando Alonso qui récupère cette quatrième place. C'est pour ça qu'on n'a pas très bien compris ce qui se passait sur le tableau d'affichage avec la bataille pour la quatrième place. Mais c'est bien les deux McLaren donc, qui sont quatrième et cinquième. Magnifique performance. Ron Dennis et Eric Boullier seront sûrement très satisfaits, ainsi que l'état-major de Honda aussi. McLaren qui a un très bon aéro, mais qui souffre vraiment d'un moteur qui a un manque de puissance. Donc encore plus de puissance que le moteur Renault, et pourtant ils ont pris quand même une année l'année dernière blanche pour le développer. Mais il n'a pas l'air au point encore. Et Button qui a l'aspiration, car Alonso n'a pas réussi à s'envoler clairement. Hein. Il n'a pas pris l'envol nécessaire, et on le disait, c'est Button qui maintenant, avec les gommes en température, eh bien, c'est lui le chasseur maintenant. Il va attaquer son coéquipier espagnol. À une quatrième place pour McLaren, personne l'espérait, hein, clairement, en ce début de saison. On a dit que ça allait être très compliqué pour eux. Ils ont pris vraiment deux pilotes d'expérience, et il le fallait. Car quelqu'un comme Magnussen, par exemple, ou Stefan Van Dorn, aurait énormément bataillé à mettre au point une voiture comme ça. Et derrière, c'est encore une fois le bouchon. Et on voit que bien, Daniel Ricciardo, Felipe Massa et Valtteri Bottas sont là. Ils sont revenus. Ils sont vraiment, encore une fois, tous dans les boîtes de vitesse, là. Et ça va être très compliqué à dépasser. On est en caméra embarquée avec Daniel Ricciardo, le pilote australien, qui marque les points pour l'écurie autrichienne en ce début de saison. Il fait le job. Excellent pilote Daniel Ricciardo. À l'aspiration, et on voit vraiment que le moteur Renault, pourtant avec le DRS ouvert, a énormément de mal sur le moteur Mercedes de la Force India. Alors qu'on est rentré dans le 16e tour et qu'il en restera donc que deux. Et on revoit la manœuvre. On s'en doutait, Jenson Button a réussi à prendre le meilleur sur Fernando Alonso et va aller chercher une quatrième place. Et Lewis Hamilton aussi, qui avait vraiment retrouvé la performance sur Kimi Raikkonen. Il a littéralement déposé le pilote finlandais dans cette deuxième partie de course après les arrêts au stand. On a eu peur pour lui en début de course. Il s'est fait littéralement malmener par Raikkonen pendant quelques tours, avant de retrouver un gain de performance et stabiliser l'écart avec un Vettel qui a aussi 7 secondes 4 entre Hamilton et Kimi Raikkonen. Et on rattrape les retardataires. On voit les dégâts hein, sur la Mercedes occasionnés lors du premier tour entre Hamilton et Vettel. Ah, c'est très compliqué comme début de saison pour Mercedes, très frustrant avec une année 2014 absolument parfaite. Et on n'imaginait pas une Scuderia Ferrari revenir au beau fixe en embauchant ce pilote, quadruple champion du monde, dont on disait un peu de mal chez Red Bull. Il a prouvé une fois de plus son talent, malmené par son coéquipier de garage aussi, hein, Kimi Raikkonen vieillissant, mais qui fait le job, avec notamment eh bien, deux victoires chacun, malgré des petites erreurs de Vettel à chaque fois. À part en Malaisie, où vraiment Raikkonen a été excellent et rentre dans le 17e tour. Vettel qui va dans l'herbe ici, attention. Et Vettel qui rentre dans Elf, on le voit, les deux Lotus à l'agonie. Hein. Elles ont énormément de mal. Et c'est Romain Grosjean qui va être aspiré par Vettel, suivi de Pastor Maldonado aussi, qui était quatrième au départ. C'est hallucinant qu'il se retrouve si loin, le pilote vénézuélien. Et Vettel qui se méfie, bien entendu. Après la petite altercation de Bahreïn, qui revoilà, eh bien c'est Sergio Pérez,
Et on va voir comment le pilote mexicain va réagir d'ailleurs sur Sébastien Vettel. Parce que là, on est dans le 17e et dernier tour. Il ne s'agirait pas de faire encore une erreur comme la dernière fois. Car là, la victoire est toute proche. 8 secondes d'écart avec Lewis Hamilton. Vettel qui va se servir du DRS, oui, sans aucun souci pour dépasser Sergio Pérez. Il n'aura pas attendu hein, le pilote allemand ce coup-ci. Et Sergio Pérez qui essaye de reprendre l'intérieur. Ouh, attention, incroyable. On ne plus qu'il arrive à crever le pneu à Vettel. Et voilà Sébastien Vettel qui va s'envoler vers la victoire. Très belle course, hein, malgré une concurrence, vous l'aurez compris. Un peu à l'agonie. Et c'est ce qu'on va essayer de rectifier pendant les deux prochaines semaines avant d'aller à Monaco. Pour ajouter un peu plus de piment dans cette saison où on en a besoin. Clairement, ça ne soit pas comme à la télé. Victoire de Sébastien Vettel donc ici en Catalogne. Magnifique victoire devant Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Voilà pour le top 3. Jenson Button finit 4e. Ricardo 5e. Très belle victoire du pilote Red Bull. Hein. C'est une victoire pour eux, 5e. Alonso 6e. Chez lui, Valtteri Bottas 7e. Felipe Massa 8e. 9e, Carlos Sainz. Et 10e, Nico Hülkenberg. Voilà pour le top 10. Et au fond, on retrouve donc les deux Lotus. Très loin dans le classement, hein, bien entendu. Et magnifique victoire donc de Sébastien Vettel. Qui au classement prend un peu plus d'avance sur Kimi Raikkonen, 15 points. Lewis Hamilton revient sur le podium avec 56 points. Bottas 4e, Ricciardo 5e. Très belle opération du pilote australien qui repasse devant Nico Rosberg. La Scuderia Ferrari toujours en tête, suivi de Mercedes, Williams et Red Bull et McLaren dans le top 5. Donc voilà, on va se quitter sur ces images du podium. J'espère que cette vidéo, ce deuxième GP commenté vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans deux semaines, pardon, à Monaco. La semaine prochaine, ça sera du Forza. On fait une petite pause parce qu'il y a beaucoup de montage et de temps à chaque fois. Donc moi, je vous dis à dans deux semaines pour la F1 et à la semaine prochaine pour de la Formule E sur Forza 6. Allez, en attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous.